Le CEG existe depuis 1958, avec la création d'une première classe de sixième à ce moment-là. Et moi, je suis arrivé en 1961, au retour de mon service militaire. Ça veut dire que j'ai connu toutes les promotions jusqu'à ma retraite, puisque je suis resté toute ma carrière. Toutes les promotions du collège, les premiers élèves entraient en troisième quand je suis arrivé à Vanier. Il y a eu la décision de prolongation de la scolarité à 16 ans, qui est intervenue, je crois, en 1959. Et donc, ça faisait encore des capacités nécessaires en plus. Et donc, décision de construire un bâtiment neuf. Projet donc d'implantation d'un collège. Entre-temps, il était devenu CES, enseignement secondaire. CEG, le G, c'était général. Et puis, on a eu une embûche, un petit peu, si on peut dire, parce qu'il s'est passé l'incendie d'un collège dit du quartier Payron à Paris. C'était le 6 février 1973 à Paris. Des enfants suivaient un cours de musique dans une salle de collège d'enseignement secondaire rue Édouard Payron. Il était à peu près 7h, 20h20, 20h30. Le feu se déclarait dans une salle de classe, se propageait rapidement, 20 victimes. C'était un enfant qui inconsciemment avait mis le feu au CES. Mais ce collège avait été bâti selon des procédés de construction nouveaux, légers, rapides. Et notre collège, enfin celui qui était prévu ici, était exactement sur ce modèle, à savoir une structure métallique. Et si le collège de Payron est resté, tout au moins dans les gens de ma génération, en mémoire, c'est parce que les structures métalliques, sous l'effet de la chaleur de l'incendie, se sont tordues et tout s'est effondré. Bon, nous, ce n'était pas commencé, c'était prévu que ce serait comme ça, mais ce n'était pas commencé. D'où, bah, évidemment, il n'a plus été question de faire pareil. Une modification a été apportée, assez simple, hein, le plan n'a pas été changé du tout, simplement les poutres métalliques qui étaient prévues, qui étaient vides, ont été remplies de béton pour les solidifier, et puis le béton, ben, il bouge beaucoup moins à l'incendie. Et puis, on savait que ça avait été fait, disons, relativement vite pour modifier suite à l'incendie, et que on nous disait il est prévu pour 40 ans. Bon, apparemment, ce que j'ai compris, il a tenu 45 ans. Et à cette époque, tout allait vite, on construisait beaucoup, il y avait beaucoup d'élèves, il y avait un baby-boom. Donc, dans l'État, qui possédait encore les bâtiments à l'époque, l'État a mis en place un plan énorme pour financer de nouveaux collèges, donc un collège type Payron, le même modèle dans toute la France. Et ces collèges-là ont fleuri très rapidement. Et pour moi, c'est vraiment un petit peu comme les vieilles usines du département, c'est le signe d'une époque qui est aujourd'hui révolue. Disons que sur la qualité matérielle, on n'était pas forcément très enthousiaste. On savait que ce n'était pas merveilleux. Mais malgré tout, c'était quand même de l'intérieur d'une salle de classe, par exemple, c'était insonorisé. On n'entendait pas. Hein,
J'ai pas à souvenir, moi, hein, de ce qui se passait autre chose dans les couloirs ou non. Mais on voyait bien que c'était pas merveilleux. On voyait bien que c'était pas isolé, même si à l'époque le souci d'isolation n'était pas du tout le même que maintenant. Mais je me rappelle en hiver, quand il avait gelé, quand on arrivait le matin, on voyait une histoire de vapeur d'eau, de buée certainement. On voyait depuis l'extérieur l'emplacement des radiateurs à l'intérieur, parce que sur la façade, il y avait une sorte de grande surface qui n'avait pas le même aspect, qui était plus sec ou plus... Oui, enfin, bon, on voyait, c'était pas la même chose. Matériellement, même si c'était un bâtiment neuf, je dois dire que, comme la plupart, on est des Vosgiens, on connaît la construction ici, toutes les maisons, où 99% des maisons, c'est des toits à deux pans. Quand on a vu une terrasse, on était un petit peu sceptique. Quand je suis arrivée au collège, tout se passait bien. L'établissement était déjà vieillissant. On voyait bien extérieurement que ça pouvait être compliqué. Mais par contre, à l'intérieur, tout avait été bien entretenu. Et les salles étaient agréables pour enseigner, pour travailler avec des beaux espaces lumineux. Alors les couleurs, c'est pareil. Les couleurs, bon, elles étaient plus vives qu'elles ne sont maintenant. Hein, mais c'était celles-là. Hein. C'est pareil, c'était pas courant. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un faire une remarque à ce sujet. Il y en a peut-être eu, je sais pas, mais moi j'ai pas entendu. Ah ben, c'est-à-dire qu'ici à Vagnier, c'est un petit peu la vallée vosgienne très, très typée, hein, un petit peu encore fermée sur elle-même. Donc du coup, d'avoir une jeunesse qui allait pouvoir avoir des conditions de travail nouvelles, c'était pour tous les élèves, pour les parents, c'était formidable. On était tous contents, hein, parce que nos conditions matériel, donc je pense, en conséquence, la qualité de l'enseignement était nettement améliorée. Cependant, quand il y a eu des éléments qui montraient qu'il y avait quelques difficultés au niveau du deuxième étage et de la dalle, notamment, donc des analyses étaient en cours par le conseil départemental. Quand est arrivé ce mercredi 12 septembre, où une dalle a tremblé. Au moment où ça a tremblé, la première chose que j'ai réfléchi, c'est... si le deuxième étage allait tomber sur le premier, en sachant que j'avais ma sœur qui avait cours en dessous, des amis juste avant qui m'avaient dit qu'ils allaient en cours avec des professeurs que j'aimais bien aussi, parce qu'au final, on a des liens avec eux. Et là, se dire, oui, moi, l'étage-là serait tombé, alors ma sœur, je la verrais peut-être plus, les professeurs avec qui j'ai noué des liens non plus, il y aurait plusieurs morts, et après, les parents, les familles qui seraient venues. Bah, le scénario le plus catastrophique, ça aurait été que la dalle se fende, en fait, et que du coup, qu'elle tombe, enfin,
notamment en présence d'élèves, hein, et que la dalle puisse tomber sur le cours du dessous, que les élèves puissent tomber. Enfin, après, ça aurait été a priori limité à la salle de classe. Ce n'était pas un problème de structure générale et de structure globale de l'établissement. Donc ça n'aurait de toute façon pas été un effondrement total de l'établissement, mais on aurait pu imaginer que la dalle se fende. Et il y avait tout un attroupement dehors. Ils étaient blancs, ils n'étaient pas rassurés. J'ai demandé ce qui se passait et ils nous ont dit qu'ils avaient ressenti des tremblements. Des trous s'étaient tombés, même la professeure se sentait mal. Elle était blanche, elle essayait de rassurer les élèves, mais elle se sentait mal intérieurement. J'ai pris connaissance de la nouvelle le lendemain, le jeudi 13, quand je suis venue en cours et que les adultes ne nous ont pas laissé entrer dans l'établissement, qui nous ont dit d'attendre dehors, d'avoir l'avis d'un expert. Du coup, on était dehors et on était tous très angoissés. On était assis dans l'herbe, on attendait que les experts viennent. Après, les surveillants sont venus nous voir pour nous dire qu'il fallait qu'on appelle nos parents parce que le collège allait fermer. C'était horrible pour nous parce que ce collège, c'est un peu tout pour nous. On a grandi et il y a eu plein d'anecdotes dans ce collège. Je ne savais vraiment pas comment on allait poursuivre l'année, ce qu'on allait faire, tout ça. Et finalement, ils nous ont annoncé qu'on devait attendre dans la cour tout le matin. Et après, ils nous ont dit de rentrer chez nous, tout ça. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la cour, paniquées, qui criaient, tout ça. On avait commencé là-bas, on voulait terminer là-bas. On avait fait toutes nos bêtises là-bas. On était assez liés à ce collège, en fait, hein, parce que c'était un assez petit collège. Et on connaissait les moindres recoins de ce collège-là. C'était assez cool. Je voulais savoir, et puis on était tous un peu inquiets. On voulait vraiment savoir ce qui se passait. Il y a des nuits où on ne dormait pas. On demandait aux réseaux sociaux. Il y avait plein d'informations, comme quoi il allait s'écrouler, comme quoi on retournerait au collège peut-être dans une semaine, ou plein de choses comme ça, et on n'en a pas su plus. Ça a été pas simple, beaucoup de stress, parce qu'on se demandait où est-ce qu'on allait aller, si on allait partir soit à Remiremont dans différents collèges, ou si on allait tout simplement devoir aller ailleurs ou plus loin. Donc le premier après-midi, le jeudi 13 septembre, a été long, puisque nous étions dans l'attente des décisions qui pouvaient être prises. Mais à partir du vendredi, nous avons pu commencer à évoquer des solutions, soit répartir les élèves dans différents établissements ou trouver un autre lieu d'accueil. Et assez vite, le lycée de Saulsure, qui était proche, est apparu comme une solution possible, mais qu'il fallait encore aller visiter pour pouvoir voir s'il était envisageable d'accueillir l'ensemble des élèves sur ce site, pour pouvoir poursuivre les enseignements en attendant de voir ce qui était décidé directement sur Vanier. Oui, il était vraiment temps de quitter le collège, hein, puisque effectivement certains professeurs ont signalé les problématiques liées à la solidité de la structure. Moi-même, en tant qu'enseignant, j'avais souligné depuis de nombreuses années les problématiques, notamment par rapport au confort des élèves, donc pas de banc pour s'asseoir dans un préau qui était étriqué, pas de préau extérieur couvert comme ça se fait partout, des conditions de travail pour les profs avec des salles très mal isolées, très froides l'hiver, un simple vitrage, des courants d'air. On sentait bien que la structure était fatiguée, les collègues disaient que ça bougeait quand on marchait, qu'on s'appuyait sur les murs, ça gondolait. Enfin, il y avait quand même une grosse problématique liée au bâtiment lui-même qui a forcément très mal vieilli. Et tous les gens qui font un peu de technique savent qu'une structure métallique, ça vieillit très mal parce que le métal, ben oui, ça sue, ça se dilate, ça corrode, ça, et forcément, à un moment donné, c'était plus du tout adapté. Donc, qu'est-ce qui serait passé? Ben, je pense que le conseil départemental a pris la bonne solution en faisant en sorte que les élèves soient mis en sécurité à l'extérieur. Donc, au moment de l'installation à Saulsure, tout a été très rapide. Et il faut noter le nombre de personnes qui sont intervenues. Il y avait toute une émulation autour de nous.
Il y avait au moins 50 personnes en même temps qui venaient de tous les services informatiques, les services des routes qui ont aidé au déménagement, les agents de l'établissement bien évidemment, et tous les personnels du conseil départemental qui étaient à la fois à notre service et qui étaient aussi au service des élèves, hein, pour pouvoir réinstaller tout en un temps record puisque tout a été fait en 3 jours. Le serveur informatique a été déménagé en une journée seulement, tout refonctionné quand les élèves ont repris les cours le jeudi. Et c'était vraiment impressionnant d'avoir autour de soi, autour de monde, quelque part à notre service, au service du collège, pour réinstaller ainsi aussi rapidement des lieux qui soient finalement assez confortables pour tout le monde et qui ont permis de reprendre l'enseignement très rapidement. Il y a eu une réunion. On nous a expliqué qu'on allait rentrer dans un nouveau collège, enfin dans un nouveau lycée. Il allait être plus petit, qu'il fallait être beaucoup plus calme. Mais depuis qu'on est rentré dans ce lycée, les gens ont changé, ils sont beaucoup plus nerveux, en colère. On a l'impression qu'ils ont juste envie de se rebeller. Ouf, je ne vais pas connaître ça, je suis en retraite. J'ai été très égoïste, mais d'autre côté, j'ai pensé à mes collègues hein, qui se retrouvent dans des conditions de travail difficiles. Les élèves qui, pour moi, à Saulsure, sont quand même un peu déracinés. Ils ont des horaires un peu alambiqués. C'est quand même pas facile pour eux, à chaque fois, de reprendre un bus, de revenir devant le collège à Vanier, de repartir chez eux. Donc, je pense que c'est des conditions de travail pour les élèves et les personnels très, très difficiles. Bon, dans un collège de Saulsure qui est aussi en mauvais état que celui de Vanier, hein, faut pas se leurrer, hein, le collège de Saulsure, il n'est pas du tout adapté. C'est une solution transitoire et on espère évidemment que les nouveaux bâtiments qui seront créés par le conseil départemental seront à la hauteur des espérances de tous. Mais le bruit courait que le projet de démolition et de reconstruction d'un nouveau collège était sur les rails. Je me suis laissé dire, mais je n'ai pas vérifié, hein, que le projet était avancé. Quand il y a eu l'alerte qui vous a obligé à déménager. Alors moi, je ne serai pas là pour la suite, hein, puisque je change d'établissement, mais je suivrai ça de loin, hein, voire de près, puisque j'habite Vanier, hein, donc pour moi c'est important. Ma fille sera aussi présente au collège, donc c'est quelque chose qui est toujours important. Et puis quand on a passé plusieurs années dans un établissement, on y laisse un peu quelque chose aussi, hein, ça fait partie de nous, des échanges, on fait des rencontres, et donc on n'a qu'une envie, c'est que tout se passe bien pour la suite. Donc je pense que tout ce qui s'est mis en place cette année fera que tout se passera bien pour la suite et que les gens qui me succéderont poursuivront cette aventure, hein, qui est un collège finalement quelque part à travers l'évolution des élèves et à travers le fait qu'on les voit grandir et changer.